Salut. Salut, ça va? Ouais, je sais pas, qu'est-ce que je fous là? Ouais, c'est Chris. Chris ASMR qui m'a invité. Il a voulu que je fasse de l'ASMR. Je connais rien en ASMR, je sais pas c'est quoi exactement. Il m'a expliqué un peu deux trois trucs, mais c'est tout quoi. Ouais, j'ai ramené ma baguette. Ouais, il m'a expliqué, ouais, je sais, ouais. Mais moi, en ASMR, je connais rien, je sais même pas qu'est-ce que ça veut dire ASMR. Harry Potter, faire de l'ASMR, n'importe quoi. Il m'a dit aussi de ramener des objets. J'ai ramené deux, trois objets. Enfin, il y en a 6 en tout. Il m'a dit de tapoter, je sais pas quoi, sur les objets. Ça peut relaxer les gens. Du tapping. Je crois que c'est ça, ouais, du tapping. J'ai une tête à faire du tapping. Du tapping. Il m'a dit aussi le mot scratching. Scratching. Ça me dit rien. Il m'a dit scratching, c'est gratter sur les. Faire du gratte-gratte. Ouais, c'est ça. On va essayer, on verra bien si j'arrive à relaxer les gens. Mais l'ASMR, ça relaxe tellement ça. Parce qu'il m'a dit, par exemple, avec la baguette, comme il y a des petits reliefs là, des trucs qui ressortent de la baguette, on peut gratter sur la baguette et ça peut relaxer les gens. On va essayer, on verra bien. Comme ça, il m'a dit. Et il m'a dit aussi de parler de chaque côté. C'est quoi qu'il m'a dit le nom? Entre chaque oreille. Enfin, l'oreille droite, l'oreille gauche. C'est binaural. Ouais, c'est ça, binaural. Binaural. Comme ça. À gauche. À droite. Je comprends rien. Est-ce que déjà ça vous relaxe ce bruit-là? C'est. Je sais pas, mais il y a beaucoup de personnes qui trouvent l'ASMR ridicule. Pour devoir voir quelqu'un tapoter sur un objet comme ça, comme le tapping, comme il m'a expliqué. Ouais, j'ai ramené 2-3 objets, il m'a dit surtout ramène des objets. Par exemple, on va faire le tapping, on verra bien ça relax. Parce qu'il y a le tapping avec les ongles aussi. Et ah oui, c'est vrai, il faut parler en binaural, c'est vrai, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Et là, faut faire du tapping avec les ongles. Et les doigts aussi. Ah, il y a un truc aussi qui m'a dit, je vais le faire après. Comme ça. Comme ça peut relaxer. Surtout de chaque côté. À gauche. À droite. Bien sûr, Chris ASMR, il a été gentil de me prêter son micro. Parce que à Poudlard, il n'y a pas de micro. Hein. À Poudlard, il y a des bouquins, des livres. Il y a des potions. Mais il n'y a pas de micro, hein. On ne peut pas les aimer un bout de là. Et il m'a dit, c'est quoi le nom qu'il m'a dit pour relaxer les gens? Les triggers. Merde, mon échange. Les triggers. Ouais, c'est les triggers. Les triggers. Tangle. Trigger. Ouais, bref, vous avez compris. Il y a un trigger aussi. Ouais, ça doit être ça. C'est rien qu'avec les mains. Rien qu'avec tes doigts. Et des bruits de mains, en fait.
Il m'a dit, tu tapes comme ça. Ça relaxe vraiment, ça, les bruits de main. Ou sinon, tu frottes les mains, ce qu'il m'a dit aussi hier. Parce que je me suis préparé avant de venir, hein. Je suis pas venu comme ça. Après, il m'a dit d'aller plus un peu vite. Est-ce que ça relaxe vraiment? Ça j'en sais rien du tout. Il me fait venir pour tester de l'ASMR. Je connais rien en ASMR. Chris ASMR et PJ. Après, il m'a dit dans sa communauté, il y en a qui aiment les bruits de main, les bruits de bouche. Les bruits de bouche aussi, il m'a dit. C'est ridicule. Les bruits de main. Après, il m'a parlé de quoi d'autre? Tu prends du papier cul. Et tu le froisses. N'importe quoi, on va essayer, mais... Il me fait faire n'importe quoi. Putain, mon écharpe, elle arrête pas de tomber. Dumbledore qui m'a tenu l'autre. Est-ce que ça relaxe, ça? Après, il m'a dit de vous poser une question, Chris ASMR. Tu peux... Enfin, vous pouvez dire dans les commentaires de la vidéo. Enfin, moi, je sais pas si je les lirai parce que... Tu sais, Poudlard, il n'y a pas d'ordinateur, hein, il n'y a pas d'internet. Et il m'a dit de... Enfin, lui, il va les lire de façon Chris. Il m'a dit de noter... Enfin, de dire... Vous dites que... Ah, oh, je vais finir par le dire, oui. Quel est le trigger qui vous a plus relaxé? Voilà ce qu'il m'a demandé. Et il m'a dit aussi de vous abonner et de liker. Liker. Ça veut dire quoi ce mot-là, like? Likez, likez, likez. Ça veut dire quoi, liker? Peut-être mettre un petit j'aime à la vidéo si ça vous plaît. Ouais, ça doit être ça, je crois qu'il m'a dit. Après, il y a le tapping, comme il m'a expliqué, comme je l'ai fait tout à l'heure. J'ai ramené mon hibou, Edwige. J'ai ramené Edwige avec moi. Ouais, il me quitte plus. Et il m'a dit de faire du scratching. Ouais, ça doit être du scratching. Il faut que je m'habitue avec les mots. Alors, surtout de gauche à droite, il m'a dit. Après, il m'a parlé de plusieurs triggers, comme il m'a dit. Mais on va faire que du scratching, du tapping, parce que je connais rien déjà. Après, alors, professeur Rogue, ouais, c'est... il est pas gentil, lui. Hein. Professeur Rogue, il a transformé Dumbledore en statue miniature. Du scratching, enfin du c'est pas du scratching, il m'a dit du tapping avec les ongles. Mais j'ai tendance à oublier de parler de chaque côté. Sinon,
il m'a dit qu'il y a l'ASMR le plus lent et l'ASMR le plus rapide au monde. Puis tu peux pas tapoter aussi rapide qu'une éclair. Tu peux pas. Alors pourquoi aussi rapide tu veux? Enfin, l'ASMR le plus rapide du monde. Le plus lent. Je veux bien. Mais l'ASMR le plus rapide, laisse tomber hein, quand même. Hein. Comme ça. Comme ça, ou pire comme ça, parce que. Ouais, c'est pour les cystiques. Alors, quand j'ai parlé de l'ASMR à Ron et à Hermione, ils ont été morts de rire. Déjà, ils savent même pas ce que c'est, je leur ai expliqué. Ils savent même pas ce que c'est. Ils ont été morts de rire. Ils m'ont dit pas. Hein? Bon courage. Aussi de l'ASMR, tu peux relaxer avec n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Il m'a dit par exemple avec le chapeau, comme je l'ai vu en début de vidéo, parce qu'il m'a dit de faire une intro un peu avec le chapeau, du coup j'ai pris le chapeau. C'est vrai que l'ASMR, c'est vraiment n'importe quoi. Moi qui ai toute la journée dans les bouquins, en train d'apprendre des sortilèges, des sorts, tout ça, à fabriquer des potions, à faire des jeux vidéo, tout ça, mais de l'ASMR, je connais rien du tout. Dans les toilettes Poudlard, il y a un troll.
Ouais, il y a un troll. Du coup, il est en train de me chercher là actuellement. J'espère que quand je vais rentrer demain, je vais pas. Enfin, j'espère que quand je vais rentrer à Poudlard demain, je vais pas le croiser parce que. Bon, après, tu me diras l'ASMR. Là, je peux pas écouter les bruits et tout, mais ça m'a l'air pas d'être trop mal vu comment il m'en parle. Après, c'est vrai qu'à Poudlard, hein, l'ASMR, l'ordinateur, Internet, Google, ça existe pas, Google. Je sais pas, moi. Après, il m'a parlé de Instagram aussi, qu'il a un compte Instagram écrit ASMR. En passage, il m'a dit de vous abonner à son Instagram. Je sais pas, je sais même pas ce que c'est. ASMR, il est fan d'Harry Potter et vous avez vu la pièce qu'il a. Là, on n'est pas à Poudlard. On n'est pas à Poudlard, on est dans sa chambre. Il y a un bureau, enfin, comme à Poudlard, quoi. Harry Potter, c'est trop stylé en fait. J'ai bien fait d'être son ami. Enfin, ouais, enfin, son ami, c'est pas un pot de lui. ASMR, je connais pas.
Bienvenue à tous. Et